Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Les Délices de Yasmine. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment réaliser vous-même et en toute simplicité ces petits sandwichs tant crudités. Des sandwichs frais et parfaits pour l'été. Alors suivez bien avec moi la vidéo jusqu'à la fin pour ne rien rater. Pour la préparation de nos sandwichs, on va utiliser 12 tranches de pain demi. Moi j'ai pris sans croûte, mais vous pouvez prendre avec si vous voulez. 2 boîtes de thon, 3 œufs durs. 3 feuilles de salade, je les ai découpées très finement. Une demi-tomate que j'ai découpée aussi finement. 2 cuillères à soupe de mayonnaise. Et une pincée de sel. Je commence tout d'abord par découper mes œufs. Je vais les couper aussi finement. Voilà, j'ai découpé mes œufs. Je prends ensuite un saladier, je le verse dedans. J'ajoute la salade tomate. Les 2 boîtes de thon. Une pincée de sel et les 2 cuillères à soupe de mayonnaise. Voilà, je mélange le tout à l'aide d'une fourchette. Je récupère ensuite mon pain, j'ai ici ma garniture et je le place sur une planche ou une assiette. Et je mets dedans ma garniture. Et je referme avec un autre morceau de pain demi, comme ceci. Et ensuite, à l'aide d'un couteau, je le découpe en triangle. On découpe très délicatement. Et voilà le résultat. Je continue comme ceci jusqu'à finir tous mes pains et on se revoit après pour le résultat final. J'ai fini de garnir mes sandwichs. Ensuite, je vais les décorer avec une olive verte comme ceci. Je prends mon pain. Vous pouvez prendre un cure-dent ou n'importe quel bâton et vous le placez voilà dedans et ensuite sur le pain. Vous pouvez mettre aussi une tomate cerise. Voilà, je le fonce dedans. Et ensuite, je le mets sur mon pain. Et je le présente moi de cette façon. Vous pouvez le présenter comme vous voulez. Si vous voulez faire des mini-hardises, vous pouvez le découper encore plus. Et voilà le résultat de mes sandwichs. J'espère que ma recette d'aujourd'hui vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker, à partager et surtout pensez à vous abonner et activer la petite cloche pour recevoir toutes mes nouvelles recettes. Bon appétit et à bientôt !